C'est un peu l'univers sur lequel je me base. Donc un univers assez mature, assez mature, assez violent. Donc je vais vous lancer le jeu. Donc, ok, à quoi ça, parfait. C'est Irena, c'est ce que je fais pour la Megadrive. Et vous avez vu à la SGDK, c'est quoi la mesure. On a mis environ 6 mois pour faire ça. Donc ça ressemble un peu à Tom de Force, parce qu'on s'inspire un peu comme de Force. Mais d'autres références au Chiori, Aero Blaster, Aero Flash, et d'autres petits du Megadrive. Je pense que vous avez passionné pour ces jeux. Je crois que c'est vraiment un petit clin d'œil pour les fans, et pour le plaisir. Donc, c'est un chuchotage, donc la base, c'est facile. On reprend bien la situation de Thunder Force avec le cadre au-dessus de la vitesse variable. Je vois qu'il y a une barre de fumée. Voilà, alors la barre de fumée. C'est un peu décidé, le système bonus, malus, ça va. La barre de fumée, elle se recharge avec tous les ennemis. Une fois qu'elle est complète, en fait, le vaisseau a super pouvoir. Là, c'est l'inspiration sur le Shinobi, le super Shinobi, parce que je vais voir le côté Shinobi. Il y a de la définition, en fait, c'est le dragon. Qui vont détruire tous les ennemis et rendre ainsi sur le vaisseau. Voilà. Donc, pour le moment, il y a toute sa souris de programme, c'est ça? Alors, pour l'instant, il est fait du barbac, mais il y aura différents pour en remplir le jeu. En termes de programme, qu'est-ce qu'on a? On a une vitesse. C'est ça, alors tu as le bouclier magnétique qui est inspiré de la chinoïe. Tu as l'amélioration des armes. Bon, il y a un petit peu de retard pour le feu de nature, mais on a un peu tout avec des lasers, des missiles, enfin, différentes petites armes assez originales. Tu as aussi des modules, donc tu es qui a pris la puissance de frappe. Est-ce que dans le fond de la partie 5, là, super chuté, le fait qui a envoyé un pôle devant toi qui détruit tout ça, c'est un peu. Alors, je suis désolé, il y aura pas ça, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, on veut faire un jeu original. Là, on fait prendre des petites références, mais voilà, on veut faire un jeu original, le jeu est à nous, et pas juste copier la performance de la France ou de. Ok, très bien. À toute l'idée du nombre de niveaux, est-ce que comme dans certains jeux, il va y avoir, comme tu l'as encore, le mini-boss, le mini-niveau, ou le boss du niveau, ou non, est-ce que vous allez faire un truc pour tout ça? Oui, bien sûr. Alors, pour le nombre de niveaux, il y en aura 8, dont 2 fins différentes. En fait, il y aura un parcours, ça sera assez scénarisé. Donc, en fonction des choix du joueur sur le scénario, la phrase sera différente et on restera tout au petit niveau. Du coup, voilà, une question c'était. Il y a un minimum, c'est bon.